Allah il dit inna Allah, certes Allah, la yakhfa alayhi shay'un. Rien ne lui est caché et rien n'échappe à sa vigilance fil ardi, sur la terre wala fis sama'i, et dans le ciel. Rien n'échappe à sa vigilance. Mais c'est nous les êtres humains. Ah oui, subhanallah. C'est nous qui prenons ces attributs de Dieu-là, ouais, pour les coller à nous. Tu vas voir des gens qui sont assis tranquillement. Ouais, lui, c'est un grand visionnaire. C'est quelqu'un qui lit dans l'avenir. C'est quelqu'un qui est assis là. Et surtout nos mamans, elles aiment les gens de personne là. Hein. Ah oui, il y a un savant là-bas, là, lui, là, il maîtrise. Hein. Il regarde l'avenir dans l'eau. Il regarde l'avenir dans une boule ou je ne sais pas dans quoi. Quand tu arrives chez lui, il te parle des problèmes à venir, tout ce qui se passe dans ta maison. Ta rivale t'a travaillé, le fils de ta rivale doit être ceci, etc., etc. Des choses comme ça, subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wasalam, nous dit, celui qui va faire un pas, emprunter un chemin pour aller rendre visite à un divin, dans l'intention de connaître l'avenir, pendant 40 jours, Allah n'acceptera pas tes actes d'adoration. Ça fait partie du shirk, l'associationnisme. Il y a deux types de shirk. Il y a le shirk akbar et le shirk asghar. Il y a le petit niveau de l'associationnisme qui est le shirk, il y a le grand niveau. Mais ici, ça fait partie du shirk, subhanallah. Vous allez aller voir quelqu'un qui dit qu'il est clairvoyant, quelqu'un qui dit qu'il est un devin, il s'assoit pour deviner, pour dire, pour prédire l'avenir, alors que lui-même ne connaît rien de l'avenir. Il ne sait absolument rien. Il est assuré que ce monsieur même qui se joue les devins là, quand tu viens t'arrêter juste à sa porte là, faut taper seulement, faut toquer seulement à la porte. Top seulement. Tu vas attendre qui est là. Ça suffit déjà. Hein? La question qui est là, là, ça suffit. C'est un gros ignorant. Aïe. Toi, tu peux rester aujourd'hui pour voir ce qui est demain. Ce qui va se passer demain. Là. Tu restes dans aujourd'hui pour voir ce qui va se passer demain. Mais tu n'arrives pas à voir juste derrière ta porte qui est là. Le gars, il vient, il toque seulement la question qui est là. Mais toi, tu arrives à voir demain. Après demain, l'année prochaine, mais tu n'arrives pas à voir juste derrière ta porte. C'est trop suffisant même quoi. C'est le même qui vient, il sort de la maison et puis il demande à sa femme, et les enfants, ils sont partis où? S'il a un enfant qui s'appelle Fatou, mais Ahmed, Fatou est allé où? Mais Ahmed n'est pas là. Aïe. Tu demandes pourquoi où l'enfant est parti. Tu es celui qui détient le caché, le visible et l'invisible, non? Toi, tu lis dans l'avenir, tu ne sais pas où ton enfant est. En fait, c'est des ignorants. Lui-même, quand tu arrives chez lui, il est pauvre. Il est assis là, il dit que lui, il regarde l'avenir pour t'aider à construire tout dans ta vie. Mais lui-même, quand il finit là, il te dit, ça fait 200, ça fait 300, ça fait 500. Tu enlèves quelques pièces, tu lui donnes et puis tu t'en vas. C'est gravissime. J'ai vu un gars comme ça qui dit qu'il a besoin. C'est-à-dire qu'il finit de faire un travail pour la dame et puis il dit à la dame, mais le travail là, lui, il doit envoyer les génies aller faire une course, donc le carburant des génies. Subhanallah. Il demande le carburant des génies. Donc Allah il dit Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama'. Il dit Allah, rien ne lui échappe. Donc rien n'échappe à sa vigilance et rien ne lui est caché dans les cieux et sur la terre. Subhanallah. Et encore, sachez une seule chose. Quand Allah vous enseigne ça, c'est en même temps pour attirer votre attention. Wallahi, toi qui derrière, tu ris avec les gens devant eux. Toi, tu es en train de rire avec ton voisin. Tu ris avec ton frère. Tu ris avec ton cousin. Tu ris avec ton ami. Tu ris avec ton patron. Tu te joues les meilleures personnes devant eux. Mais c'est toi qui es chez les féticheurs. C'est toi qui es chez les devins, chez les magiciens. Aller travailler les gens. Hein? Faire de mauvais travaux. Aller enterrer dans les cimetières. Hein? Derrière la ville, etc. Tout ça pour rendre telle personne folle ou fou, hein, détruire l'avenir donc de l'enfant de ta rivale, parce que l'enfant a eu une promotion, qu'il est devenu ministre, etc. Comme toi, c'est pas ton enfant, détruire son avenir, ou bien rendre ta rivale folle pour que ton mari la divorce et puis le monsieur reste pour toi seul. Toi qui es dans toutes ces choses-là, toi qui allais travailler ton patron, détruire pour que lui on l'enlève et puis toi tu deviens le DG de l'entreprise, etc. Et dit tout ce que vous allez faire, sachez que Inna Allah, certes Allah, la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Rien n'échappe à sa vigilance et rien ne lui est caché. C'est lui qui détient la connaissance du visible et de l'invisible. Alimul ghaibi wa shahada.
Il est celui qui détient la clé de l'invisible et il est témoin de toutes choses. Hey, craignons Allah. Craignons Allah. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons de nous détruire les uns derrière les autres. Et quand on se voit, on ne fait que rire chaleureusement. On ne fait que jouer l'hypocrisie. Allah, il voit tout ce qu'on fait dans les ténèbres. Allah, il voit tout ce que tu fais dans le noir, dans l'obscurité, derrière ton frère, derrière ton ami, derrière ta coépouse, contre ses enfants, derrière ton patron, derrière ton employé. Allah, il voit tout ce qu'on se fait les uns derrière les autres. Et rien n'échappe à sa vigilance. Sachez qu'il y a des anges qui sont auprès de nous. Kiraman, Ketibin, Ya'lamuna ma taf'aloun. Qui savent ce que vous faites, ces anges-là, et qui sont des grands écrivains, c'est-à-dire des grands scribes. Ils sont là pour écrire tout ce que vous faites. Rien ne leur échappe également. Et chacun sera interrogé sur ses œuvres et chacun sera récompensé selon ce qu'il faisait. Comme Allah le dit, Jaza'am bima kaynu ya'malun. Le salaire que chacun aura le jour de Yawmul Qiyama, ça sera sa rétribution selon ses œuvres. Allah ne lésera aucune créature.